Eh bien bonjour à tous, c'est Oglazinho, SNZinho, et oui même si j'ai sûrement une voix un petit peu bizarre puisque bah je suis parti en vacances et puis j'ai pas mal fait la fête donc bah ça se ressent un petit peu mais sinon oui c'est bien Nzinho et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo, le deuxième épisode de la carrière avec Lorient. Donc bah on va continuer tout de suite avec les matchs, je vous rappelle que l'on doit jouer. Il s'agit donc de Paris. Paris, Montpellier, voilà, et Troyes. Donc on a trois beaux matchs, enfin les deux premiers je pense qui risquent d'être assez chauds, et le dernier bah, qui sera là pour prendre un maximum de points. Donc bon, on va commencer sans tarder, hein. On va y aller, on va avancer jusqu'à ce match pardon face au PSG. J'espère qu'on va faire une bonne impression. Personnellement, si on peut prendre déjà un point, je pense que ce sera une bonne affaire. Enfin, déjà, ce sera un bon point de prix. Après, on va voir si on peut en prendre 3, bah pourquoi pas. Mais déjà, éviter la défaite, ce sera déjà pas mal au Parc des Princes en plus. Donc, ouais, c'est déjà si on perd pas, ce sera déjà pas mal. Ensuite, contre Montpellier et contre 3, bah on verra. Hein, on va faire match par match. On va pas essayer de se fixer un objectif de points pour le moment. Parce que, bah, je sais pas, j'ai pas. Je pense pas que ce soit nécessaire pour le moment, c'est le début de la saison, l'équipe est un peu encore en rodage, donc on va bien voir déjà ce que ça va donner face au PSG. Donc allez, on arrive là au samedi 11, début de la saison, on va aller faire l'équipe même si elle va pas changer des matchs amicaux normalement. On va voir peut-être s'il y a quelques pépins physiques ou quoi, mais non, il n'y a rien du tout. Retour de Joufre, on va attendre un petit peu, on va le mettre sur le banc pour le moment. Voilà, on va le mettre ici. Et puis bah après le reste on va laisser comme ça. Peut-être mettre Money Paquet, je sais pas. Puisque d'après les commentaires de certains, il était plutôt pas mal, pas mauvais. Bon, on va le laisser sur le banc, il rentrera peut-être en cours de jeu pour apporter sa vitesse ou quoi, on verra. Mais pour le moment, on va rester comme ça. Donc allez, on va lancer le match. Franchement, là je suis pressé de commencer, j'ai hâte de commencer, voir un peu ce que ça donne, etc. Donc on va lancer ce premier match de la saison. Enfin, premier match, pas vraiment, on a déjà eu les matchs amicaux, mais premier grand match et premier match officiel de la saison. Donc, en face, on a un PSG, vous le voyez, avec Sirigu, Van der Veil, Thiago Silva, Sako Maxwell, Sissoko, Verratti Mota, Gamero Ibrahimovic et O'Haraud. Bah, c'est une bonne petite équipe, mais bon, il n'y a pas Ménès devant, il n'y a pas Néné, il n'y a pas Pastore qui sont dans l'équipe non plus. Il manque Matuidi, donc ouais, ça peut peut-être le faire quand même. Puis bah derrière, par contre, c'est ce qu'il y a de plus lourd, c'est ce qu'il y a de plus lourd à Paris. Puis devant, faudra faire gaffe à Ibrahimovic, mais bon, il n'est pas vraiment en pointe, donc c'est peut-être pas plus mal pour nous. Bon allez, bah nous de notre côté, hein, comme d'habitude, vous l'avez vu, Odar, Nelson, Bourillon, Ekwelemanga, Pocognoli, Romao, Coutadeur, Cornier, Traoré, Megara et Aliadière. Donc c'est parti pour ce premier match de la saison. J'espère qu'on va réussir à faire quelque chose. Et nous, en tout cas, on se retrouve à la fin pour que je vous livre mes impressions. Et puis, bah, bon match à tous! L'arbitre siffle le coup d'envoi, c'est parti pour 90 minutes. Oh oui, le centre, il y a danger. Oui, ça c'est un ballon intéressant. Ah, attention, la frappe, il y est. Quelle action, Franck, et surtout quelle finition. Oh là là, c'est vrai, tout est parfait. Le centre, la reprise de volée, le timing est extraordinaire. Et ça fait 1-0 au tableau d'affichage. À
avec Zlatan Ibrahimovic. C'est un vrai poison, la défense qui... La jolie frappe. Oh oui, cette fois c'est fait. Oh, les défenseurs, ils ont intérêt à pas le lâcher aujourd'hui. Deux buts déjà pour lui. Ah, c'est un vrai but d'avant-centre, vrai comme on dit souvent. Ils ont à présent une avance confortable. Un certain risque, l'entraîneur le met sur le banc pour lui donner un avant-goût de sa retraite annoncée. Ah, s'ils ne viennent pas le contrer, il va frapper, ça c'est sûr. Le PSG qui combine bien. Et la balle, la frappe. Eh oui, c'est dedans. Ah, regardez cette frappe, magnifique, parfaite, à ras de terre. Très difficile à aller chercher pour le gardien. Et comme quoi, il n'est pas nécessaire, Hervé, toujours de frapper fort pour marquer. Ce ballon placé au ras du poteau en est la preuve. Et 2 buts à 1 donc maintenant. Le caviar. Attention à la retombée. On reprend ce ballon de la tête. Et c'est l'égalisation. Il revient à un score de parité. Eh bien oui, c'est son deuxième but personnel aujourd'hui. Eh bien oui, hein. On l'a tous vu, c'est le bon centre qui a permis la bonne conclusion de l'action. Le centre est idéal. Allez, encore l'égalité. Oh, elle est dangereuse cette frappe. Elle marque. Et le PSG qui va revenir vestir sur cette note positive. Un but qui va faire plaisir à l'entraîneur. Un petit but qui les sépare désormais. Le score est de 3 buts à 2. Ouais. Et c'est la mi-temps sifflée à l'instant par l'arbitre. 3 buts à 2, c'est un joli score tout de même. On dit souvent que c'est le scénario idéal de marquer juste avant la pause. Idéal, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y a rien de tel pour donner le sourire à un entraîneur. Hein. On ne rentre pas au vestiaire avec le même état d'esprit, c'est sûr. L'arbitre qui peut donner le coup d'envoi de cette seconde période ici au Parc des Princes. Et... oui, Fiumi s'est intercepté. Très dangereux ce ballon qui se balade. Oh, quel joli tir! Et nos équipes qui se retrouvent à égalité. Oh, quelle est belle cette égalisation, qu'elle est importante surtout. Oui, elle est importante parce qu'elle vient couronner tous les efforts consentis pendant ce match. Allez, j'ai envie de dire que c'est mérité, moi, quand même. Et ce genre de ballon très précis, vraiment. Eh oui, trop le laisser jouer, et bien voilà ce qui arrive. Cette équipe me surprend quand même, mais plutôt, ils ne sont pas ici pour faire de la figuration. Hein. Eh, c'est vrai qu'Hervé, le gardien est impuissant sur cette frappe juste sous la barre. Passe. Oui, ça joue bien là. 4 buts à 3, ce sera le score final, on aura vu des buts. Et bien voilà, ça y est, fin du match et vous l'avez vu, victoire 4-3 contre le PSG. Franchement, c'était un match de folie. Mais ouais, franchement, j'ai vraiment bien aimé ce match, hein, sincèrement. C'était franchement terrible. Donc on va juste aller voir les détails du match, les buts, vous les avez vus. Puis bah là, vous voyez qu'au niveau des actions, c'est assez serré, hein, c'est même kiff-kiff. Hein. 9 tirs partout, 6 tirs cadrés pour eux, 7 tirs pour nous.
Il y a juste au niveau de la possession où là je leur ai vraiment laissé le ballon et j'ai essayé de jouer au maximum en contre. Je pense que vous l'avez vu sur les buts, il restait pas beaucoup de défenseurs. Alors que eux, bah au contraire, hein, il y avait quand même pas mal de mecs en défense, enfin, de notre côté. Donc c'est pour ça que la possession est très largement pour eux. Ensuite, bah le reste est pas. Se sert pas à grand chose. Mais ouais, sinon franchement, c'était ouais, vraiment un beau match. Un match très plaisant à jouer aussi. Et puis vous le voyez au niveau des détails du match et des notes, surtout au niveau des notes. On a eu deux très bons attaquants, Ali Adir et Megara, qui ont fait tous les deux un superbe match. Odar qui s'en est pas trop mal sorti non plus, et Cornier qui a fait lui aussi un bon match. Après le reste, c'est pas trop mal. Nelson aussi, la recrue qui a été pas trop mauvais. Au niveau des buts, bah, vous voyez, deux pour Cornier, deux pour Emegara. Et puis bah le reste, deux passes d'aise pour Ali Adir, une pour Nelson. Puis bah après voilà, le reste c'est pas super, 5 arrêts de la part d'Odar. Et puis voilà, mais en tout cas je suis franchement très 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 content de cette victoire. En plus je pense que vous l'avez vu, c'était franchement très chaud. Puisque bon, on gagnait 2-0, ils reviennent à 3-2, là je me suis dit non, c'est pas possible. Franchement je pensais vraiment pas qu'ils puissent revenir. Et puis après j'ai réussi encore à remettre deux buts derrière. Donc ouais, franchement c'est vraiment un très très bon résultat. Et maintenant, bah, j'espère, je peux qu'espérer la victoire contre Montpellier, parce qu'après un match comme ça, on n'a pas le droit de faire autre chose que de gagner. Mais en tout cas, oui, sincèrement, c'est une très très bonne équipe. Il y a de très bons petits joueurs. J'ai pas fait de changement dans ce match parce que je trouvais pas que c'était très utile. On était bien dans le match et puis les joueurs étaient pas tellement fatigués, donc moi ça m'allait bien. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai gardé cette équipe tout le match. Et puis bah là contre Montpellier, ça va être les mêmes qui vont repartir. Et j'espère qu'on va encore faire un bon résultat. Cette fois c'est à domicile. Donc bah j'espère à tous j'espère vraiment qu'on va réussir à faire un bon résultat. Et puis bah je vous souhaite à tous encore une fois un bon match. Puisque ouais, en plus, bah comme je vous l'ai dit là juste avant de se quitter, les équipes, notre côté c'est pareil, de leur côté. Il y a Jourdren Bokali, Yang Mbiwa, Congrès Bedimo, Belanda, Saï, Mounier, Kabela, Outaka et Camara. Donc le seul petit truc qui pourrait être un peu chiant, c'est qu'ils ont 5 milieux. Donc ça va faire du monde dans l'axe. Donc bon, on va voir comment ça va se passer dans le match. Mais bon, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, puisqu'ils sont quand même moins forts que le PSG. Donc bah, on se retrouve juste après ce match pour un petit débriefing et j'espère avec une victoire. À tout à l'heure. C'est parti donc. Superbe passe, attention. C'est une tête. Et ça fait bout. Le gardien qui s'incline. Et il a su se rendre disponible sur ce centre. Après, il fait la différence de la tête. Oui, il ajuste vraiment parfaitement sa tête pour ne laisser aucune chance au gardien. Et ça fait 1-0 au tableau d'affichage. Gary Bocelli. Oui, ça c'est bien joué. Oh, qu'elle est bien partie. Mais c'était dangereux. Et ça va au fond. Ah, il va être un petit peu plus tranquille encore avec ce but. Ouais, c'était mission impossible pour le gardien. Fusil à bout portant. Et ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2 à 0. Et la voilà, la frappe. Oh, ça va être dedans. C'est net, Franck, on le revoit. Ils font la différence sur une passe. Ouais, une passe millimétrée qui place le buteur dans les meilleures conditions. Le gardien est battu. À descendre comme celui-là, c'est un vrai régal pour les attaquants. Hervé. Il mène à la marque désormais de but à 1. Ouais, très bonne accélération vers les buts. Ouais, il repousse le danger. 2 buts à 1, c'est le score final. Ça y est, c'est terminé. Et bien voilà pour ce match défaite de Buzyn. Alors là franchement je suis dégoûté parce qu'il y avait largement moyen de gagner, il y avait largement la place, mais à chaque fois,
on loupait le dernier geste ou le dernier contrôle ou enfin toujours en fin d'action. Parce que regardez, en plus on a dominé, hein, on a dominé, on a fait 9 frappes, 6 cadrés et seulement un but. Donc c'est pareil, tiens, je vais aller voir la note de Odar. De Odar, non, de Jourdren, ouais, pourtant il a pas une note exceptionnelle, mais le nombre d'arrêts qu'il a fait, il en a fait 4 quand même. Et puis en plus, en général, c'était pas des arrêts faciles à faire, hein. À chaque fois c'était des balles vraiment bien placées, etc. Mais bon, voilà, c'est dommage, mais bon, sur l'ensemble des deux matchs qu'on vient de faire, on a quand même pris 3 points. C'est pas mal vu les deux adversaires, même si bon, quand on regarde de plus près, après on se dit qu'on aurait pu mieux faire, mais bon. On va se contenter de ça, c'est déjà pas mal. Maintenant, on va essayer de prendre 3 points face à 3. Là, c'est. Il nous les faut vraiment ces points. Donc bah, on va voir. On va voir. Hein. On va voir. On va essayer de gagner. On va essayer. On va faire du mieux possible. Hein. Normalement, ça devrait le faire. Ils ont fait 2 défaites. Alors que là, il y a un truc qui m'inquiète un peu. Manga qui va être transféré, ça va pas le faire, ça. On va aller faire équipe. Non, c'est pas là-dedans. C'est pas là-dedans. C'est dans bureau du manager. Ouais. Contrat. Il est où? Il est où? Pour les mangas. Transfert demandé. Ok, d'accord. C'est pas bon du tout, ça. C'est pas bon du tout. Quoique, après, peut-être que si on le vend, on pourra acheter quelqu'un d'autre, peut-être de meilleur à son poste. Mais bon, avec, ouais, vu ce qu'il nous reste, non, ça va être chaud quand même d'acheter quelqu'un de meilleur. Ouais, bah pour l'instant, on va rien mettre, on va pas toucher, on va laisser ça comme ça. Et puis on verra bien. J'ai envie de vous dire, on verra bien comment ça va se passer. On va pas le mettre à vendre pour le moment. Et puis bon, on verra. On va voir comment ça va continuer. Donc, proposition pour écouler manga, 7 millions. Et bah non, on va refuser. Et puis on va monter un petit peu, hein. On va mettre, allez, 13 millions. 13 si c'est accepté. Je pense que y aura moyen de faire quelque chose ensuite. 9 millions. Là, ça c'est encore mieux. Allez, on va monter là aussi à 13. Parce que comme je vous l'ai dit, si 13 millions c'est accepté, ensuite on pourra acheter un défenseur central aussi bon que lui, voire peut-être même meilleur. Donc on verra bien. J'espère en tout cas le garder au moins jusqu'au match contre 3. Et on va le faire partir ensuite après vraiment sur la fin du mercato. Faut-il... ok. Mais il me dépasse... Oula. Donc apparemment le montant est pas... Enfin, ça ne va pas à Lyon. Bah écoutez mes petits messieurs, vous n'aurez pas le choix. On va pas vous laisser le choix. C'est 13 millions ou c'est rien. Donc on va voir. Donc voilà, l'offre a été faite. 13 millions, comme je vous l'ai dit, c'est ça ou c'est rien. Puisque bah nous, manga, ouais, si écoutez les mangas, il nous sert bien. Hein. Il est plutôt pas mauvais dans une équipe comme Lorient. Donc on va voir, tatata, décider de nous aligner. Paris qui s'aligne sur les 13 millions. Donc bah tant mieux, j'ai envie de vous dire, hein, nous on prend. On va rejeter l'offre du coup de Everton et de Lyon, puisque Paris risque de le prendre, je pense. Et on va aller tout de suite voir surtout qui on pourrait prendre à sa place. Parce que bah du coup là on va avoir très peu de temps pour prendre un défenseur central. Donc on va aller voir ça vite fait. Transfert acheté. Donc un défenseur central, je connais quelques joueurs comme ça qui sont pas mauvais de nom. Maintenant, on va essayer de voir ce qu'on peut avoir. On va essayer de voir ça tout de suite. Donc valeur maximum, on va mettre 10 millions. Comme ça nous laissera une petite marge de manœuvre. Et puis bon, on va voir ça. On va aller regarder vite fait ce qu'il y a comme joueur. J'espère qu'il y en aura qui seront pas trop mauvais. Je pense qu'on devrait avoir au moins 2-3 joueurs. Oh, ok, ça commence bien. Aucun résultat. Aucun défenseur central. Ok, bon. Bah, on va laisser ça comme ça. On va pas mettre de stats en accélération. Même si j'aime bien avoir des défenseurs quand même qui vont assez vite pour rattraper les attaquants. C'est pas grave, on va voir ce qu'il y a. Il devrait quand même y avoir. Bah, là, voilà. C'est tout l'inverse. Du coup, on va mettre l'âge maximum. On va mettre 24. Et donc, on devrait pouvoir trouver notre bonheur. Sachant qu'Ekwe Manga avait 79 en général, donc je voudrais un joueur qui est au moins 80. 80 serait pas mal. On a Maicon de Porto.
Mais bon, c'est pareil, il est lent. Sinon, après, oui, on a Dédé qui est pas mauvais. Bon, on va voir, on va voir, on va faire le tour. Yanga, Mbiwa aussi. Mbiwa peut-être, oui, ça peut être un bon choix, Mbiwa, je pense. En plus, il joue en Ligue 1. Regardez sa bonne stat en marquage, 83. Tacle 81 aussi. Donc ouais, ça peut être. Ça peut être une bonne recrue que Ego les mangas. Pas Ego les mangas, Mbiwa, pardon. Subotic aussi, oui, Subotic qui est un très 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 bon défenseur. J'avais pas vu. Ah oui, j'avais pas vu celui-là, Subotic. Bon, je pense qu'il va nous coûter cher, par contre, sincèrement, je pense que ça va être chaud de l'avoir. Mais faut voir. On va mettre s'informer, on verra bien. On va s'informer aussi sur Maicon. Maicon qui est pas trop mauvais, il me semble. Regardez, il a quand même de bonnes stats. Dédé ensuite, ouais, Dédé qui est un petit peu moins bon. On va s'informer aussi sur Maicon, alors. S'informer. Et Yanga Mbiwa, on va s'informer aussi. Voilà, 3 joueurs de 23 ans, 81, 80 et 79. Donc on va voir. On va voir déjà si on peut garder Kulemanga jusqu'au... Enfin, s'il peut jouer contre 3, ce sera bien. Puisque pour avoir les deux autres, ça va être chaud. Eh ben non, il pourra pas jouer. Joueur vendu en bas à droite, c'est que il est parti. Joueur vendu. On a gardé donc 11 millions. Donc là, il demande 11 et il demande 12 500. 12 000, on n'aura pas assez, malheureusement. Ah, c'est dommage. Franchement, on va essayer de bouger un petit peu le budget pour voir si, si ça peut se faire. Transfert, attribution budget. Ouais, non, ça va pas être possible. Ça va pas être possible, malheureusement. Bon, on va faire une offre quand même pour Maicon et puis bon, on verra ensuite. Alors, non, il est pas là-dedans. Il doit être dans la liste acheter joueur. On va voir, on va faire une offre pour Maicon. Mais bah, sinon, Subotic, bah, ce sera pour plus tard, hein, c'est pas grave, tant pis. On fera sans lui. Et donc, on va tester Maicon. Donc, approcher pour achat, ils nous ont demandé donc 10 millions, pardon. Non, c'était 11. 11 millions, bah on va proposer 11 millions. Non, je vais même proposer 10, on verra bien. Si ça peut se faire à 10, tant mieux. Je pense que ça va être chaud. C'est pas super important de l'avoir dès maintenant. Donc on va voir. Normalement, on va de la part de Montpellier pour Yanga Mbiwa. Donc allez, allez, allez. Il manque ça avance là. Bon, en tout cas, ouais, c'est dommage d'avoir vendu Ekwele Manga, mais bon. 6 millions 5. 6 millions 5 pour un joueur comme ça. Ah bah, je prends tout de suite. J'espère que ça va se faire. Parce que franchement, 6 millions 5, c'est... Ouais, eux, ils veulent donc 11 millions, 6 millions 5 pour... si on arrive à avoir Ekwele Manga à ce prix-là, ce sera une très 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 bonne affaire, je pense. Et même avec un peu, on pourra encore acheter un autre joueur pour n'importe quel autre poste. Donc on va mettre disputer le match. Et donc on va juste changer, on va prendre un défenseur central. Je sais pas qui on va mettre, sûrement Koné. À côté de Bourillon. Donc Koné, ouais, mais ce qui m'énerve un petit peu, c'est qu'il est quand même assez lent. Sinon, ouais, bah le reste est pas, c'est pas super non plus. Ouais, je dirais même que c'est plutôt pourri. Donc, bah on va jouer avec Koné. Hein. On va jouer avec Koné dans l'axe à côté de Bourillon. Et pour le reste, bah on change pas. On va pas changer puisqu'on a quand même de bons éléments. Et donc de l'autre côté en face, on a donc Turamulien au but. Fossurier, Drouin, Ognenovski, Nsakala, Ngoi, Obadi, Darbion, Nivet, Enza Yamissi et Yatara. Donc bah sincèrement je connais deux noms, Ngoi et puis le reste Nivet aussi, Benjamin Nivet. Mais sinon je connais personne d'autre, donc on verra. C'est pareil, 4-5-1 leur formation. J'espère que ça va pas trop nous poser de soucis, on verra bien en tout cas. Bah c'est parti, et puis bah bon match à tous encore une fois, à tout à l'heure. Oui, 3 points sur 6, c'est en effet le parcours d'une équipe qui vise une place en milieu de tableau en fin de saison. Et l'arbitre, eh bien ce sera Monsieur Loïc Dakini. Qui intervient sur ce score de 0-0. C'est toujours aussi serré entre ces deux formations. Et elles font jeu égal pour le moment. Il faudrait peut-être tenter un peu plus pour essayer de surprendre un bloc qui, de part et d'autre, est bien en place. Oui, il a un peu d'espace. Oh, il repousse, ça joue. Oh, quel jeu de tir!
Oh, le gardien qui bat tout. Le gardien qui paie peut-être le laxisme de sa défense. Et c'est vrai qu'il a été énormément sollicité jusqu'à présent. Il avait bien tenu la baraque, mais c'est l'action de trop. Tout pour préserver bon résultat. Le ballon qui sort, le gardien va pouvoir se dégager. Allez, il faut donner un petit peu de tonus à cette équipe. Alors l'entraîneur fait deux remplacements. Oh. Il récupère le ballon, c'est le contre. Oh, la beau tir. Et c'est l'égalisation. Il revient à un score de parité. Sur l'ensemble du match, ils sont dominés, ça c'est incontestable. Mais là, ils ont su prendre leur chance. Ouais, c'est bien, ça va peut-être les relancer un peu, leur donner confiance. Et tout est à refaire, un but partout. L'attaquant est passé. Ouais, bon appel, il faut lui donner peut-être le but. Oh, ils prennent l'avantage, un but très important. Un petit but d'avance donc, le score est de 2 buts à 1. L'entraîneur de l'équipe à domicile qui va faire rentrer du 109. Oh, c'est bien joué, c'est bien joué. Heureusement qu'il était là. Et le match qui s'achève donc à l'instant sur ce coup de sifflet de l'arbitre. Et oh, à la fin de ce match, victoire 2-1, mais oh yo yo, que c'était chaud. Franchement, heureusement que bah, vous l'avez vu, hein, j'ai fait ce changement de dispositif. Et bah, apparemment ça nous a bien souri puisqu'on a marqué les deux buts grâce à ça, je pense. Très bon match de Odar puisqu'on a quand même eu chaud en première période. J'arrivais pas à cerner cette équipe, j'arrivais vraiment pas à développer mon jeu. Et regardez, au vu des stats, on s'en sort très très bien. Heureusement qu'ils ont été maladroits avec 9 tirs, seulement 3 cadrés. Et puis nous, à l'inverse, on a vraiment été très adroits devant le but avec 3 frappes de but. Donc on s'en sort très 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 bien. Et je voudrais bah, juste vous montrer les notes encore une fois. Vous voyez la note de Odar et la note d'Aliadir, deux bons joueurs qui ont fait un très bon match. Et puis de l'autre côté, on a des notes finalement pas superbes. Alors que pourtant, ensemble, ils ont réussi à bien nous bousculer quand même. Mais finalement, la victoire est là. Et je voudrais juste aussi vous remontrer le but de 3. Juste pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué. Je ne l'ai pas vu sur le moment, je l'ai vu que après moi aussi. Mais regardez ce qui s'est passé en fait. Odar qui s'est totalement troué. Et finalement, bah, le ballon ensuite, vous l'avez vu qu'il va au fond. Mais ouais, c'est impressionnant, regardez. Hop, totalement troué Odar. Et puis bah voilà, bon finalement c'est bon, on s'en sort quand même avec cette victoire. 2 buts à 1, c'est pas mal, 6 points sur 9. C'est franchement bien, moi je m'attendais pas non plus à avoir 6 points. Donc je suis content, transfert accepté pour Maicon. 9,5 millions maintenant pour Eko les mangas. Pour Eko les mangas, à chaque fois je confonds, pour Young Biwa pardon. Donc on va proposer 9,5 millions, on verra bien. Et ensuite, joueur appelé en sélection, Touré, pas Côte d'Ivoire, ok. Donc on va proposer bah, un contrat pour Maicon. On verra bien, ensuite on aura le temps d'accepter ou pas. Titulaire indiscutable, pardon. Et voilà, mais en tout cas, ouais, franchement, je suis content de cette victoire parce que je m'y attendais vraiment pas. Je m'y attendais vraiment, vraiment pas. Donc bah, là, on a réussi à gagner, c'est super.
Et j'espère qu'on va continuer comme ça. On a un match de Coupe de la Ligue qui arrive, vous l'avez vu. Donc on va le faire, enfin on va le faire. Je vais le simuler puisque sincèrement, à Coupe de la Ligue, je m'en tamponne pas mal. Proposition contrat, j'adore la vie ici. Ok, bon, on va proposer pour MBWA, on va pas se prendre la tête. Titulaire indiscutable. Et voilà, j'espère que ça va le faire. En tout cas, ouais, comme je vous l'ai dit, le match contre Istres, là, on va pas le jouer, je vais le simuler vite fait. De toute façon, voilà, c'est pas vraiment important, la Coupe de la Ligue. Personnellement, c'est loin d'être mon objectif. Et voilà, Young MBWA qui est venu, donc pour moi, c'est une bonne affaire pour le prix qu'on l'a payé. Je suis content. Je suis content de le voir venir à la place d'Echo et les mangas. Et puis, bon, on va le mettre dans l'équipe. On va le mettre dans l'équipe. On connaît, il sort. Et Young MBWA qui vient. Franchement, regardez ses stats. Il est pas très très lent hein, quand même. Il a une bonne pointe de vitesse. Très costaud avec 83 en force. Détente 87. Ensuite, agressivité 87. Détente 87. Agressivité 87 aussi. Et regardez, 83 en marquage. 81 au niveau des tacles. Donc là aussi, c'est plutôt pas mal. Et il est quand même très très grand, 1m84. Bon, pour un défenseur central, c'est pas énorme. Mais de la tête, il fera bien son boulot. Il peut jouer aussi arrière droit au cas où. Donc c'est franchement pas mal. Allez, bah on va continuer maintenant. Et puis on va aller simuler le match contre Istres. Je pense que ça devrait le faire. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Mais bon, on sait jamais. Donc, simuler, c'est parti. Et donc le prochain match, je ne sais pas si vous l'avez vu ensuite. Ce sera à domicile contre Nancy dans la prochaine vidéo. Donc allez, début du match. J'espère quand même qu'on va gagner. Juste histoire de passer quelques tours pour le fun, on va dire. Même si vous le verrez, les matchs de Coupe de la Ligue, je les jouerai très rarement, voire même jamais. Voilà, 1-0 but d'Aliadier, nickel. On va laisser le suspense, on va pas passer à la fin tout de suite. Mi-temps, 1-0. Allez, un petit deuxième but pour se mettre à l'abri, un petit but des Megara, là, pourquoi pas, ce serait nickel. Toujours rien, pas de changement, bah ça va se terminer comme ça. Et oui, c'est terminé. Victoire 1-0, tranquillement, pas de blessés, rien, donc nickel. Un petit carton pour Pocognoli, mais bon, c'est pas super grave. Alors, on a gagné, waouh, 75 000, super. Et donc, un match qui a été repoussé sûrement à cause de notre tour passé, là. Donc, calendrier. Et ben, on va faire un petit récap. Vous venez de le voir, victoire 1-0 sans forcer, on n'a même pas joué. Contre Istres, et puis bah sinon, victoire 4-3 contre le PSG. Défaite malheureusement 2-1 contre Montpellier et victoire ensuite 2-1 contre 3. Donc 6 points sur 9 possibles, c'est pas mal. Et puis bah ensuite là vous voyez, on jouera donc Nancy, Rennes, Nice et Evian lors de la prochaine vidéo. Donc là c'est pareil, j'espère prendre pas mal de points quand même. Puisque à part Rennes, c'est quand même des équipes qui doivent être prenables. Donc on va aller voir aussi vite fait le classement et puis bah, on va se quitter là-dessus. Donc paramètres, non, c'est pas paramètres. Oh là 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 là, j'ai du mal en ce moment. Compétition, Ligue 1, classement, voilà. Et donc, bah, vous voyez au classement, on est 8ème, donc avec 6 points. Les premiers, c'est Marseille, ils en ont 9. Et ensuite, Brest, Nice, Saint-Etienne, Montpellier et Sochaux avec 7 points. Lyon, LOS, ouais, si, il y a Lyon qui a le même nombre de points que nous. Et puis, bah, derrière, le LOS, que Evian, Paris, Toulouse, etc. Enfin, bref. Comment Paris peut avoir 5 points? Ah oui, d'accord, il y a des clubs qui ont déjà fait 4 matchs, il y en a d'autres qui n'en ont fait que 2. Ah oui, j'avais pas fait gaffe à ça, en fait, je pense que j'avais pas fait attention, mais oui, il y a déjà des... Marseille, par exemple, a fait 3 matchs, mais Brest en a fait 4. Sochaux en a fait 4 aussi, Lyon en a fait que 2. Ouais, c'est un peu le bordel, en fait, dans le classement, mais bon, ça nous donne un petit aperçu. Donc, ouais, en gros, on est entre la 5e et la 10e place. Donc, bah, la prochaine vidéo, si on peut essayer d'être dans les 5 premiers, ce sera pas mal. On va dire, c'est l'objectif, c'est d'arriver au moins 5e lors de la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que celle-là vous aura plu. Là, vous avez une bonne vidéo d'une petite demi-heure, je pense. Donc, bah, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, bah, nous, on se retrouve très prochainement pour le 3e épisode. Salut à tous !